Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je voulais trop faire une vidéo de mes vacances. J'avais fait ça il y a un an ou deux et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose. C'est juste, je filme des moments de mes grandes vacances que j'aime bien, des choses que j'ai envie de montrer. Pas tout, juste des trucs que j'ai envie de me souvenir. Nous sommes le 29 juillet et aujourd'hui je vais en ville. Je vais vous montrer mon outfit parce que je suis très 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 fière de mon outfit. Genre ça fait vraiment 50 ans, je me suis pas sentie fresh. Vu que j'ai travaillé avec les enfants, je m'habillais pas du tout bien. Et là, ça fait du bien de revenir un peu dans la fresh era. J'ai mis une petite robe bleue comme ça qu'on m'a offert. Ensuite, en dessous, j'ai mis un petit débardeur à dentelle blanc comme ça, des petits bijoux partout. Et après, j'ai mis mes pumas bleus qui vont super bien avec du coup. Et je suis ready. Oh, elle est tellement bonne! Je pense que c'est vraiment par période. Mais là je pense que c'est trop content. Bon, le permis. Je pense que ça va. Désolé les mamans, ce test sera pas pour toi. Je suis discret, vrai, mais en musique il faut que je parle. Ça me vibrait dans mes oreilles quand j'étais dans ces bras. L'année dernière. Le 4 juillet. Pourquoi c'est comme ça? Il va se dire, ah ouais, elle est comme ça tous les jours. Pas du tout. Vraiment, on est là que quand on sort. Vraiment. Chill avec des outils. Vraiment. Donc, ce sera jamais l'homme de ma vie. Parce qu'il ne l'espérera pas me voir comme ça tous les jours. Enfin, il pourra pas me voir. Que pendant les grandes occasions. Tu vois ce que je veux dire? Là, on se dirige au festival interceltique de Lorient. Voilà, elle est pimpée comme jamais. Moi, je ressemble à une grosse SDF comme d'habitude. En fait, on faisait un vlog. Voilà, tu veux être dans mon vlog? Voici, vas-y. Non, non, laisse-le être là. Il y a Mélo. Ah, des dos en plus comme ça. Passons. Yeah! Est-ce qu'on commence pas par un petit haul de ce qu'on a de McDo? Un haul de ce qu'on n'a pas payé? Ouais! Deux cafés? Ouais! Je sais pas où il est mon café. Ouais, on est. Tu prends les deux. Il est où ton café? Je sais même pas. Putain, tu l'as mis où ton café? Je sais pas. Là-bas. Il est vraiment sur la route posé au plein milieu. C'est vrai? Oui, tu l'as posé parce qu'il était trop chaud. Bref, elle a pris mes deux
montre ton maison. Mais c'est big, je suis jamais bouffé des. En vrai, on pleurait et du coup, ils nous ont donné des donuts gratuits. Tu. Quoi, tu? Elle pleurait, moi je pleurais pas. Ouais, je pleurais. Je pleurais toute seule. Ils ont donné deux gratuits, ils étaient trop mignons, vraiment ils étaient trop gentils les gars. En fait je pense que c'est le mieux, c'est prendre des McDo et les minuit t'es en train de pleurer, ils sont là. Il est vraiment 6h du mat. Ouais c'est 30. Pareil. 6h30 du mat. Et ils ont pissé pour toi, ils sont mode, attends mais je te donne ce que tu veux, tu vois. T'as gratuit, Bélec. Ils ont pissé pour toi. Moi je l'ai pissé pour moi-même. La conversation est lunaire les gars. J'essaye de la convaincre depuis au moins genre 5 heures de venir en Vendée avec moi, elle veut toujours pas. C'est un peu triste. Oh t'es lieu. Dites-lui. SEP. Oui, vous, dites-moi oui. Non, juste dites-lui. Tu passes pas stress? Mais toujours pas. Ok, mais c'est bon, j'ai des gentils. Et... Regarde. T-shirt. Attends, juste fais un petit 360. Déjà, téléphone qui n'a plus de batterie, ça s'allume même pas. Vas-y. Ah si, 1%. 360 de gros XXL. J'ai grave en dessous, j'ai l'impression que je suis à poil. Frère, juste regarde deux secondes. Ça c'est donuts. Juste là, me dis pas que je suis pas une grosse daronne qui a fait 6 heures de voyage pour aller au ski et qui s'est posée au McDo le plus proche. On est des grosses daronnes. Ou t'es juste mon gosse peut-être. Peut-être un peu. Petit burger. Ok, est-ce que là ça va? Ne fais pas un haul de chaque petit truc qu'il y a dedans. Ah, oh, ça me dégue. Ciao. Pardon, mon père, avant on fait un aller-retour. Il est bon le café, putain. Tu as un goût? Oh non. Ouais. Enlève ton truc. Attends. Et je pense que c'est parce que j'arrive à sentir l'odeur de sa mère, du coup, genre. Oui. Qui... Voilà tout le monde, vlog. Et ça, oh. C'est trop bon? C'est incroyable là. Oh, chin pour la vidéo. Chin. Du coup là on se dirige au festival interstatique. En vrai j'aime trop filmer des moments de vie comme ça. Là on est l'été, c'est le moment de filmer. Vous allez avoir beaucoup de soirées différentes dans ce même vlog mais au calme. Mais toujours à la même, même endroit. Oui vraiment. Mais avec des personnes différentes. Potentiellement, potentiellement. Non, on est pas comme ça, on est pas non. Dans ça nous. Ah non, on est pas dans ça. Attends. Avec les petites lunettes. On est pas dans ça nous. Les petites lunettes de charo mais on est pas dans ça, t'inquiète. Bref, on a pris des petits tacos, ça fait au moins vraiment un mois ou deux. Elle m'en parle, elle me dit, faut que tu goûtes ces tacos là, ils sont trop bons. Sauf qu'ils sont vraiment dans les rues ghetto de notre ville, tu vois. Enfin, vous voyez. Vraiment, bah là on est à la gare. Donc c'est très ghetto, c'est très ghetto. 2, 3. T'as entendu le bruit? C'est vraiment bon. Perso, j'ai pris cordon bleu, double cheddar. 9€. Normalement ça coûtait que 7€, mais j'ai mis double portion de cheddar. Genre pas une, deux genre. Meuf elle aime bien le fromage, on est bien en France quoi. Moi j'ai pris, et je prends toujours poulet curry. Avec la sauce blanche. T'as vu qu'il a fait, il a fait coucou dans la vidéo. Oh non, trop bien. Et là j'ai pris poulet curry avec cordon bleu, supplément mozzarella. Donc soit ça casse, soit ça passe pas du tout. Et c'est excellent. Outfit of the day, gueule de bois, retour du festival. Tadam! Et là, on va monter une tente parce qu'on part en camping la semaine prochaine. Ouais. Mais là, vous vous dites, waouh, mais en fait, son outfit ça va, mais la classe. Attendez. Je sais pas si on a vu, mais j'ai des magnifiques Crocs. Crocs. Qui sont dans mon vlog de New York d'ailleurs. Et. Le sac à main très digne d'une pétasse, vachement là. On s'est quand même lavé entre temps. Hein. Eloué, je t'aime. Ça, y'a un qui est à moi. Alors, ça, ouais, c'est à toi. Ça, c'est un truc saut. Genre, tu m'as porté ça quand on était au collège. À moi. À elle. Et ça, c'est à son frère. Ouais. Et les chaussettes, c'est à toi? Non, c'est à toi. Et on est en retard pour monter la tente, qu'on va jamais réussir à monter et démonter. Mais alors. Quelle idée. Eh, mais je pense que tout le monde a la flemme là. On est... C'est exactement ce qu'on est en train de dire. On dit, tout le monde prend qui, quoi, comment. Et la tente, on verra sur le moment. Hein. Pire, on prend tous des tentes, tout. Bref, mais du coup, voilà. Je suis d'accord pour les on est la dernière jour
Non, on est quel jour? Jeudi. Non, mais jeudi. Putain, mais jeudi. Vendredi, samedi, dimanche de festival. Ouais. Donc 3 jours. Il reste encore 3 jours. Après. Dites-vous, on s'est encore endormi super tard. On a quoi? 2 heures de sommeil. On a rencontré encore voilà. Des gens, mais pas encore. Nos âmes sœurs. À chaque fois, on essaye de trouver nos âmes sœurs. Ça pique. On a eu des coups de foudre, ok. Ouais. Et en fait, on essaye de trouver le même coup de foudre dans les personnes qu'on rencontre maintenant, sauf que c'est pas possible. Impossible. On les retrouvera jamais. Parce que en fait, les gars. En vrai de vrai, ils sont pas drôles ni intéressants. C'est vraiment rare de trouver ces deux choses ou intelligents même. Ils sont beaux, genre bien beaux, sauf qu'ils ont rien bien dans le petit boulot, vraiment. Ils sont même pas drôles. Ils sont moches, mais ils sont drôles et tout, donc tu veux être pote avec eux, sauf que eux ils te veulent. Ouais, ça c'est con aussi. Je vise personne. C'est un peu compliqué de trouver quelqu'un de beau, intelligent et drôle. Genre, les trois à la fois. Genre nous, en homme. Montage de la tente. Bon, dernier jour du fil 2024. Et en vrai, ce fil était bien, mais j'ai connu mieux en vrai quand même. Vraiment connu mieux. Ouais, l'année de ouf, l'année dernière, c'était beaucoup mieux. Vraiment le best du best. Et après, ce sera nouveau vlog pour le camping. On ne veut donc pas qu'on. Les gars, je suis dans la merde. Mais t'as l'air ouf, non? Je sais pas. C'est un peu bancal. Attends, au tuto, au tuto. Au tuto. Au tuto. Au tuto. Mes petits hauts. HM? Je sais pas, HM que j'ai genre croisé. Avec mes petits pins, c'est tout. Après, petit pantalon de chez Bershka en Espagne. Que j'ai dû couper moi-même parce qu'il était trop grand. Les chaussures, c'est les chaussures de boîte, hein, toujours. Genre des blanches, mais qui sont en cuir, du coup on les lave. Sac à main de Meloé pour changer, lunettes de Flying Tiger et une veste à Madaron. A ton tour. Ok, ça c'est un truc Zara. Bonjour. Que j'ai acheté il y a tellement longtemps que j'ai jamais porté et que je porte enfin. Hola. Alors, comment ça va les stars? Ça va. On fait une petite outfit of the day. Après, pantalon que j'ai trouvé en friperie. Bonsoir. Très bien et toi? Bonne nuit. Ok, que je trouve un friperie aux États-Unis 4 euros. Ensuite, ça c'est mes chaussures de boîte, pareil, il y a écrit mon prénom parce que je suis une star, tu vois.